Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur KMT. C'est avec une joie non dissimulée que je vous retrouve ce midi encore pour votre émission de droit à vos droits, cette émission juridique qui vous donne la parole, qui vous donne la possibilité de poser toutes vos questions à notre avocat, maître Marina Bitbull, qui est avec nous. Maître, bonjour. Bonjour Sarah. Après quel jour est-ce que vous me croyez si je vous dis que vous nous avez manqué? Pas vraiment, non. Vous devriez. Non, moi aussi, ça m'a manqué, ça m'a manqué. Donc, je suis ravie de revenir sur ce plateau pour discuter et pour débattre de faits aujourd'hui malheureux. Oui. On va devoir discuter et qui est une réalité, qui sont les violences faites aux femmes. Voilà. Parce merci, que, maître. Voilà. Non, non, continuez. Non, parce que c'est la semaine des violences faites aux femmes. Absolument. Ben vous voyez, merci à vous, maître. C'est génial. Elle a presque tout dit. Au 06 96 48 44 25. Aujourd'hui, on va parler des violences faites aux femmes, puisque nous sommes dans cette semaine de campagne, la 24e campagne de lutte contre les violences faites aux femmes, pour l'élimination des violences faites aux femmes. Si vous avez un témoignage, si vous êtes victime de violences, si vous avez des questions à poser, si vous connaissez quelqu'un qui est victime de violences et que vous voulez l'aider, que vous avez des questions à poser, et si vous-même, monsieur ou madame, vous êtes victime de violences, bah écoutez, le 48 44 25, c'est le numéro que vous devrez composer pour poser vos questions à Maître Abitbull. On tient à vous dire également que nous sommes ensemble jusqu'à 14h et que nous allons commencer de suite, Maître. Maître, oui. En 2023, il y a encore des femmes qui sont victimes et qui tombent en plus sous les coups de leur mari. Ça va de la simple claque jusqu'au meurtre, de la simple parole maladroite et parfois volontairement maladroite, jusqu'au coup, quoi. Alors, maître, quand on est une femme dans ce cas-là, qu'est-ce que la loi a mis en place pour nous? Alors, qu'est-ce que la loi a mis en place pour ces femmes victimes de violences malheureuses? Heureusement qu'aujourd'hui, il y a un arsenal juridique, j'ai envie de dire, très vaste pour les femmes, pour aussi, bien sûr, hein, évidemment, on n'oublie pas les hommes qui aussi peuvent être victimes de violences. Absolument. On parle souvent de ce type de violences, donc des violences dites conjugales. Oui. D'accord. Dans le cadre vraiment d'une vie de famille où la femme est victime soit de violences psychologiques, soit de violences physiques qui amènent au féminicide. Et on voit que le taux s'accroît de plus en plus. Alors le législateur a réagi. Plusieurs services ont réagi, évidemment. Il y a des services sociaux, il y a des établissements pour certaines femmes qui veulent quitter de toute urgence leur domicile et se dire « bon, bah, je vais aller dans un foyer ». Il y a des foyers dédiés à ces femmes-là victimes de violences qui seront évidemment accueillies et protégées, et non seulement protégées, mais suivies, qui pourront donc du coup plus facilement verbaliser. Parce qu'aujourd'hui, le problème en soi, c'est cette verbalisation qui est difficile pour toutes ces femmes victimes de violences qui n'osent rien dire, qui n'osent pas dénoncer leur propre mari. D'accord ? Soit par crainte, soit par culpabilité, mais il ne faut pas, évidemment, et là je vous le dis à toutes celles et ceux qui sont victimes de violences conjugales, n'hésitez pas à appeler les numéros verts, à contacter les services de police pour dénoncer ces faits, puisque c'est un engrenage, c'est un processus, c'est une manière de rentrer dans cette j'ai envie de dire, cercle vicieux qui ne se termine pas. Alors, qu'est-ce que la loi a mis en place? La loi a mis en place, notamment, donc, je suis une victime de violence, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà me rendre au service de police ou de gendarmerie le plus proche de chez moi pour dénoncer. Très bien. Soit par le biais d'une main courante, mais ça ne va pas aller jusqu'à la plainte, soit vraiment déposer plainte pour signaler au parquet, au procureur, voilà, je suis victime de violence, protégez-moi. Quelle est la différence entre une main courante, maître, et une plainte? Et est-ce que ça vaut le coup de déposer une main courante? Alors, une main courante, c'est simplement pour signaler les faits. C'est une simple déclaration. Okay. Ça n'a pas du tout le même effet qu'une plainte. D'accord. D'accord. Une plainte, ça va être lu effectivement
par le parquet. D'accord. La plainte courante, ça va être plus une manière de prouver et de déclarer un fait. D'accord. Sans pour autant se dire, ben, je vais jusqu'à la plainte. Et la plainte, c'est-à-dire, je veux que le parquet soit mis au courant de ces faits-là. Et ensuite, on sait que le procureur a l'opportunité des poursuites en voyant cette plainte, en disant, bon, ben, c'est des faits avérés ou non, ou potentiellement avérés, donc je vais directement mettre en garde à vue l'auteur des faits. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Au-delà de ça, pour éviter, parce que souvent, c'est le cas malheureusement, on a des victimes de violences directes et des victimes de violences indirectes qui sont la présence des mineurs. Il se peut que les mineurs assistent aux violences conjugale. Et dans ce cas-là, ce que je conseille évidemment, c'est de solliciter une ordonnance de protection, d'accord, qui peut être rendue sous 3 jours à 7 jours maximum. D'accord. Okay. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que la femme ou l'homme victime de violence, voilà, puisse demander au juge aux affaires familiales une protection directement et mettre en place les modalités de garde pour les enfants et elle se protéger pour qu'ils ne rentrent pas, qu'il n'y ait plus de contact avec la personne, donc l'auteur des faits. Et qu'est-ce qu'encourt une personne violente? Alors, ce qu'elle encourt, c'est une peine d'emprisonnement. Toujours? Une peine, toujours, oui. Une peine, alors, ça ne veut pas dire que le juge va condamner une peine d'emprisonnement, mais la loi condamne à travers une peine d'emprisonnement et également une peine d'amende, celui qui cause, donc celui qui est auteur de violence. Donc peine d'emprisonnement, amende délictuelle et également des peines complémentaires comme des stages à la sensibilisation pour lutter contre les violences, etc. etc. On va sensibiliser, donc on va sensibiliser la personne pour dire voilà, voilà ce que tu en courses, voilà ce que tu peux aller en prison directement, ou tu peux aussi indemniser la victime, indemniser totalement, intégralement la victime des préjudices subis, tant physiques que morales, et ensuite être obligé de à quelque chose. Ok. Donc obligé de ne pas rentrer en contact avec la personne, ne pas l'appeler, voilà, c'est vraiment une interdiction pendant X années. Très bien. Moi, je vais déposer plainte, d'accord, parce que je suis victime de violences conjugales, par exemple. Qu'est-ce que les autorités sont tenues de faire vis-à-vis de moi? Quelle est la protection? Y a-t-il une protection qu'ils doivent assurer pour moi? Ah oui, bien sûr. Effectivement, ben là, ils vont tout de suite alerter, je vous ai dit, le parquet, donc le pôle famille, qui va être alerté de la situation, qui va prendre les mesures nécessaires et drastiques pour lutter contre ces violences et mettre un terme à ces violences. Comment ils le font? Ben, je vous ai directement, on place la personne en garde à vue. Ou alors, si la personne, donc la victime de violence, appelle directement les services de police pendant qu'elle est à son domicile, la police peut intervenir et faire sortir, évidemment, l'auteur des faits et le placer directement en garde à vue. Je vous pose la question, maître, parce que ça s'est beaucoup vu, des femmes qui ont porté plainte. Et qui se passent à la trappe. Ah ben oui. Et elles ont porté une fois plainte, deux fois plainte, et aujourd'hui, elles ne sont plus avec nous. Donc, à quel moment la défaillance, elle a lieu, en fait? Parce qu'on parle beaucoup en ce moment du bracelet anti-rapprochement. Oui. Hein? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas équiper tout le monde de ce bracelet? Est-ce qu'il est efficace? Enfin, dites-nous tout, maître. Alors, effectivement, sur le premier point, c'est déplorable. Oui. Et on le déplore tous. Oui. C'est que malheureusement, comme on a vu, les violences, elles sont de plus en plus importantes. Oui. Donc, les plaintes sont de plus en plus nombreuses. Il y a un certain nombre de travail, donc, du coup, à faire sur le sérieux ou non des plaintes, sur ces violences et traiter toutes ces plaintes. C'est pour ça que moi, je vous dis, il y a cet arsenal donc, sur ce volet pénal et aussi sur ce volet civil où il y a une présence du procureur, évidemment, pendant l'ordonnance de protection. Ce sont des mesures dites provisoires qui vont s'appliquer durant 6 mois. D'accord. D'accord. Okay. Donc ça, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment l'arsenal mis en place par le Code civil en disant je vais, en amont de cette plainte pénale qui va durer quelques mois avant d'être auditionnée, avant que la personne soit mise sous contrôle judiciaire ou peut-être incarcérée avant son procès, il y a aussi cette possibilité de saisir le juge aux affaires familiales et de solliciter, je le redis, une ordonnance de protection.
Très d'accord. Et sur la deuxième question, c'était le bracelet anti-rapprochement. Le bracelet anti-rapprochement, voilà, c'est également un bracelet qui va permettre à la personne victime de violence de s'équiper parce qu'on suppose ou on présume que l'auteur des faits va pas s'arrêter là, va pas s'arrêter à ces violences, va pas en tout cas se respecter ses obligations qui lui sont astreintes et va faire tout pour rentrer en contact avec sa victime. D'accord. Et c'est généralement le cas parce qu'on le voit, ce sont deux personnes qui s'aimaient au départ, qui ont vécu ensemble, qui ont un passé, qui auraient pu avoir un futur de bon augure, mais finalement l'irréparable se passe, est causé, et donc du coup il faut agir. Mais la personne qui est auteur des faits se dit mais en fait non, enfin je l'aime, etc. Mm-hmm. Mais quel type temps, mais je l'aime, c'est ma femme. Mais comment on peut comment aimer comme ça? On aime son bourreau. C'est ça. Alors non, comment nous on aime son bourreau? Oui, comment moi je quand on n'est pas dans le cas, c'est vrai qu'on a pas la distance nécessaire pour analyser. Mais très souvent, on a des femmes qui vous disent non, je porte pas plainte parce que je l'aime. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que à mon sens, l'amour que cette personne a reçu pour elle s'exprime par ses violences ou par ses mots. Et elle ne comprend pas, c'est psychique, hein, et elle ne comprend pas que l'amour en fait ne se traduit pas par des coups ou par des dénigrements ou par des violences psychiques répétées, psychologiques répétées. Elle n'a pas eu ce cadre-là. Mmh. Donc forcément, la victime va se dire, mais en fait, c'est ça l'amour. On me donne cette formule de l'amour. Alors, est-ce que finalement, c'est pour ça que je l'aime? Et c'est comme ça que je l'aime. Et donc, ça se répète. Et donc, là, malheureusement, comme je vous dis, je vous parlais d'un processus. Mm-hmm. Le processus du bourreau de la victime, c'est ça. C'est je suis victime de violence, mais je me mets à la place de la coupable. La personne victime de violence va généralement pas dénoncer les faits. Oui. Et c'est ça qui est le plus grave. C'est généralement celle qui ne dénonce pas les faits, qui sont victimes de sévices graves. Pourquoi? Parce qu'elles se disent « je suis coupable ». C'est de ma faute. C'est de ma faute que je reçois ces coups, j'ai fait quelque chose de mal, donc je mérite, excusez-moi de terme, mais je mérite peut-être ces supplices. Ah. Alors, ce n'est pas le cas, mais c'est ce que pense la victime de violence. Oui, oui. D'accord. Quand on a des rapports d'expertise, on sent que la victime va se mettre à la place, va se culpabiliser. Elle se sent coupable, toujours. J'ai mal fait, j'ai pas fait à manger, il est rentré à cette heure-ci et je n'étais pas là, etc., etc. Donc, je reçois des reproches systématiques, etc., etc. Et voilà, c'est pour ça que c'est bien de faire cette campagne en disant, nous, les femmes, nous, les hommes, mais surtout les femmes, hein, c'est généralement les femmes qui sont victimes de violences, on ne va pas s'en cacher, se dire, ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas une situation normale. Mais tant qu'elle n'a pas verbalisé dans son entourage, et notamment les plus proches, hein, ses parents et ses amis, ses copines, personne ne va lui dire, personne ne pourra lui dire, regarde, je pointe du doigt là, t'as un pervers narcissique, ou je pointe du doigt là, t'as quelqu'un qui ne t'aime pas, ou alors qui ne sait pas t'aimer. Oui, mais souvent ces femmes-là, on les retrouve isolées. Je crois que c'est la première chose qui se passe, hein. C'est cette manière d'être isolée. Souvent, durant nos rapports en communauté, souvent, vous avez deux types de femmes. Soit on est dans un milieu social assez élevé, donc, parce que souvent on l'oublie, mais la violence est dans tous les milieux. Mmh. On vient d'un milieu social plus ou moins élevé, donc on a une certaine image, une certaine position à tenir, donc on n'en parle pas, donc on a cette forme de silence-là. Et puis, de notre côté, vous avez ces victimes qui sont tout de suite isolées, quand elles rencontrent leur bourreau. Et comment faire, maître, quand on n'a personne à qui parler, quand on, pour X raisons, on ne peut pas déverser sa souffrance? Comment on fait ça? Comment on fait ça? On a un numéro. Ok. Si je ne me trompe pas, c'est 911, mais à chercher. Oui, 3619. C'est 3619, voilà. Donc, il faut appeler ce numéro, évidemment.
Et c'est une cellule de crise psychologique qui va prendre en compte tout ce que la personne va dire, va déclarer. Et puis, il va lui donner tous ses conseils. Mais c'est sûr que c'est généralement le cas. La personne victime de violence, elle est victime de violence. D'abord, au début, le bourreau va se montrer gentil. Ouais. Je te veux que pour moi. Pourquoi tu restes avec cette copine-là ? Oui, oui, oui. Ah non, elle n'est pas bien pour toi, cette copine. Oui. Je trouve qu'elle est une mauvaise fréquentation. Et puis tes parents, regarde, tes parents, ils sont toujours en train de me critiquer. Etc., etc. Et petit à petit, elle s'éloigne. Il l'isole de son milieu social et il y a une rupture sociale totale. La femme, moi j'en vois, hein, les femmes peuvent rester seules avec les enfants et ne se rendent pas compte. Que tout doucement, elle réalise après, puisque c'est vraiment après, quelques années après qu'elle vienne chez nous, avocats, en expliquant la situation et en prenant du recul sur cette situation de vie, en disant, mais comment j'ai fait pour rester autant d'années, pour aller le matin me lever, emmener mes enfants à l'école, aller au travail, rentrer à la maison et faire ça de manière automatique, systématique, sans se poser de questions. Mais c'est très difficile, hein. C'est très difficile comme situation, je pense, pour toutes ces femmes-là. Et c'est pour ça qu'il faut fuir. Je vous le dis, je vous regarde, mesdames, fuyez, fuyez, fuyez. Parce que plus le temps passe, plus le traumatisme est important et plus le temps de réparation est long. Très, très long. Et c'est là qu'interviennent des psychologues et il faut évidemment parler des psychologues. Très bien. Maître, est-ce qu'il existe des peines différentes en fonction d'un harcèlement, enfin d'une violence morale et une violence physique? Est-ce que les peines sont vraiment différentes? Non, les peines ne sont pas différentes. Dans le sens où ça reste des violences conjugales. Mm-hmm. D'ailleurs, les violences conjugales, hein, c'est une circonstance aggravante qui aggrave la peine. Pourquoi? Puisqu'elle est faite sur personne. Soit un concubin, soit conjoint, soit époux, etc. Ouais. D'accord ? Donc c'est une circonstance aggravante. Et quand on parle de violence conjugale, on parle de toutes ces violences, ouais. Et psychologiques et physiques. Et j'ai envie de dire que les violences psychologiques sont beaucoup plus importantes que les coups. Absolument. Pourquoi, à votre avis ? Ben parce que ça ne laisse pas de traces visibles. Totalement. Avec les traces visibles, elles disparaissent. Oui. Les traces visibles vont disparaître, je les entends, hein. En audience où on voit que certaines femmes racontent leur passé, leur vie au quotidien et qu'elles vont passer très peu de temps sur « j'ai reçu une gifle, il m'a mis par terre, il m'a donné des coups, etc. Mm-hmm. » Mais c'est plus ce qui marque, c'est plus « t'es comme ça, et t'es comme ci, et t'es comme ça ». Toute la journée, ça marque. C'est un harcèlement, c'est un acharnement. Et est-ce que la loi prend en compte cette violence psychologique et comment elle est détectée, comment elle est punie, mettre une violence psychologique, elle ne laisse pas de traces justement. Donc comment ça se gère pénalement? Et ben c'est une question pertinente parce que c'est très difficile de prouver qu'on a subi des violences psychologiques si on ne le déclare pas. Comment faire croire à un juge que je suis victime de violences psychologiques si je n'ai jamais, pendant toute ma durée de relation de couple, dénoncé des faits? Vous savez que des fois, on est dans le couple, on accepte, hein, il est comme ça. Il me parle mal, mais bon, ça me fait mal, mais bon. Voilà. Vous voyez? Donc c'est pour ça que là, il faut vraiment faire intervenir l'entourage. Si la personne n'est pas isolée, l'entourage est pointé du doigt avec des attestations en disant « elle m'a raconté ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça » pour démontrer ces violences psychologiques. Ces violences psychologiques, il y aura une incidence, on appelle ça le préjudice moral, d'accord, les souffrances endurées aussi sur ce panel-là. Attention maître, hein, pardon de vous interrompre, il ne me bat pas, hein. Il ne me touche pas, il ne me bat pas, la violence elle est que psychologique, c'est-à-dire que le matin j'ai qu'une envie, c'est me rendormir, c'est plus vivre, etc. Est-ce qui va évaluer en fait ce préjudice moral, ce précium doloris comme on l'appelle, ça va être un expert médical. D'accord. L'expert... Donc l'expert, non, généralement psychiatre, oui. Le psychologue, va recevoir la victime, va discuter avec elle et va noter toutes ses doléances.
Et en fonction de ce que la patiente, hein, parce que ça sera une patiente finalement, de ce que la patiente va déclarer, il va pouvoir évaluer le taux de ce préjudice. Généralement, ça va sur une échelle de 0, donc à 7. Et puis après, ça se moyenne, ça se transforme en monnaie. Hein. Et une fois que j'ai fait ça, je peux déposer plainte. Je vais à mon commissariat et je dis je viens porter plainte pour violence morale. Mm-hmm. Ah bon? C'est ça. Eh ben, généralement, ça dépend. Non, mais parce que j'imagine la tête du gendarme en face, c'est en ça. Fait. Moi aussi. Je vais dire, bon, mais qu'est-ce qu'il vous dit, etc. Mais aujourd'hui, ils ont tous les services de police et de gendarmerie. Ils sont sur le qui-vive sur ça maintenant. Oui. Je pense que ça a vraiment changé. Oui. Et ça tend à vraiment évoluer pour cette prise en charge de violence. Pourquoi? Parce que je vous le dis, parce que quand il y a une victime qui va déposer plainte, oui, il y a une sorte de questionnaire pré-rempli. D'accord. Avec un tas de questions. Mais okay. Vraiment allant de qu'est-ce que vous faites jusqu'à comment ça se passe dans le couple et dans la chambre, etc. Tout, de manière très précisée. Toutes ces questions sont identiques pour les victimes qui vont déposer plainte. Et c'est là où on voit que la justice a réagi. La justice a compris qu'au-delà des violences physiques, il y a ces violences psychologiques et que ce questionnaire-là va déjà pouvoir orienter la procédure, à mon sens. C'est ce que moi, je vois dans les dépôts de plainte où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui sont posées à ces victimes. Okay. Donc ça, c'est déjà un point. Et deuxième point, quand la victime dépose plainte, elle va se constituer ensuite, on dit partie civile, en disant je veux effectivement qu'on m'alloue des dommages et intérêts, qu'il soit condamné en plus de cette réponse pénale, à une réponse donc civile pour qu'il puisse m'indemniser. Comment on m'indemnise? Donc ça, je vous le dis, c'est soit on évalue le préjudice à une certaine somme, soit on se dit mon préjudice il est trop important. J'ai un préjudice, j'ai par exemple 5 jours d'ITT, peu importe, mais je veux quand même faire un renvoi, on appelle ça un renvoi sur intérêt civil pour me faire désigner un expert psy qui va me convoquer, qui va m'examiner, qui va ensuite rendre un rapport, et c'est avec ce rapport-là que l'avocat pourra dire, voilà, aujourd'hui j'ai ce rapport médical qui va évaluer à ce préjudice, ce préjudice, ce préjudice. Nous, avocats, on est là pour, par rapport à une nomenclature dite d'intilac, évaluer les préjudices. En disant, voilà, la jurisprudence accorde 20 000 euros pour ça, pour tel préjudice, bon, peu importe. Nous, après, on demande à la réparation. Très bien. Intégrale. Très bien. Alors, est-ce qu'à part la condamnation à payer un dédommagement, un dédommage à intérêt, il n'y a pas de peine de prison encourue pour une personne qui est violente psychologiquement, quoi, non? Ah si, bien sûr. Il y a une peine d'emprisonnement qui sera encourue pour ça aussi, également, parce que ce sont des violences. Ce sont des violences qui sont encadrées par le code pénal. Alors là, je n'ai pas l'article en tête pour vous donner le quantum de la peine. Oui. Mais ça peut aller de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Très bien. D'accord. Généralement, la personne qui est violente, on la connaît pour des faits de violence. OK. Donc, si elle a déjà un casier judiciaire, moi, je vous le dis, c'est certain qu'elle ira directement en prison. OK. Je suis certaine. Très bien. 48 44 25, si vous aussi, vous avez une question à nous poser, 48 44 25, maître, on continue. Je suis à mon domicile. Je suis voisine d'une personne qui se fait régulièrement taper dessus ou violenter, etc. Je ne signale pas, je n'interviens pas. Admettons qu'il y ait un drame qui se passe. Est-ce que, en tant que voisin, je peux être tenue pour responsable de n'avoir pas assisté ma voisine et n'avoir pas aidé ma voisine qui est tombée sous les coups, par exemple, de son compagnon? Bien sûr, évidemment. Non, parce qu'ici, c'est très comme ça. Hein. Bah, si. Ici, c'est très chacun se mêle de ses affaires. La dame, elle prend des coups, là. C'est pas notre problème. S'il te plaît, ne te déplace pas. Ça ne nous regarde pas. De toutes les façons, si elle est là, c'est qu'elle aime bien ses affaires. Je vous dis exactement comment ça parle. Si elle est là, c'est qu'elle aime ses affaires et que si jamais elle n'aimait pas ça, elle serait partie. D'accord? Donc, moi, en tant que voisine, j'assiste à ça.
qu'est-ce que je dois faire et est-ce que je peux être, par exemple, tenue pour responsable de ça? Alors, effectivement, si je suis une voisine que je vois sous mes yeux, ma voisine rouée de coups et que je dénonce pas ces faits-là, on appelle ça, donc c'est un délit, encore une fois, c'est une infraction pénale, c'est la non-assistance à personne en danger. D'accord. Là, c'est une infraction et elle encourt également une peine pouvant aller à l'emprisonnement jusqu'à une peine d'amende, comme je vous ai expliqué. La non-assistance à personne en danger, c'est ça. Maintenant, encore une fois, on reste sur le terrain probatoire. Mmh. Qui va dénoncer la personne qui n'a rien dit? C'est difficile. Mmh. À part l'entourage en disant, mais attends, t'étais sa voisine, tu n'as rien dit, etc., etc. De toute façon, si en cas de féminicide, si une femme victime de violence est décédée, évidemment, il y aura une enquête qui sera ouverte avec une instruction, avec sur tout ce qui se passe et surtout l'entourage. Et là, on va ratisser tout. C'est-à-dire, on va ratisser, puisque une enquête, c'est à charge et à décharge, voir si c'est la personne qui est le conjoint, c'est l'auteur des faits, et voir aussi si dans l'entourage, on n'a pas entendu, on aurait pu ne pas éviter ça, etc., etc. Très bien. Maître, on a parlé maintenant, on a parlé à l'instant des violences dans le cadre conjugal, les violences faites aux femmes dans le cadre conjugal, mais il existe tellement de violences faites aux femmes, notamment tout ce qui est violence dans le milieu professionnel, aussi tout ce qui est violence sur les réseaux, tout ce qui est... On a un panel de violences, je vous prépare déjà, Maître, on passe directement aux violences au travail, d'accord? Qu'est-ce que la loi met en place contre les violences faites aux femmes au travail? Et puis comment, quand on est victime de violences au travail, quelle est la première chose qu'on fait, par exemple? Ben, je pense que la première chose qu'on fait, c'est souvent les femmes victimes de violences au travail, ce sont des comme on a pu voir dans les scandales qu'il y a eu à Hollywood et autres. Oui. Et même ici, hein, on voit que les femmes, elles sont victimes de violences parce que de la part généralement de leur employeur. Ouais. D'accord. C'est vrai. Donc elles sont dans une situation délicate parce que comment elles vont dénoncer ça? Moi, je leur conseille pas d'aller de dénoncer au RH, hein, aux ressources humaines, parce qu'on reste dans un cadre très fermé. Donc, la parole de l'un va... Non, je pense vraiment que là, c'est pareil. Hein. Violence faite aux femmes, il y a toutes sortes de comités et toutes sortes d'associations, hein, oui, pour dénoncer ces faits-là. Mais pareil, encore une fois, on va devant le service de police et dire, voilà, j'ai été victime de violence, ça reste une agression sexuelle. Hein. Ouais. Le patron qui passe, la petite jeunette secrétaire qui a mis une jupe parce qu'aujourd'hui, il faisait chaud et parce qu'elle fait ce qu'elle veut, reçoit une petite main déplacée sur sa cuisse ou derrière, hein. Ça reste une agression sexuelle. C'est une agression sexuelle. Ça va être considéré comme une agression sexuelle. D'accord. Une fois, c'est-à-dire, bon, deux fois, trois fois, ça reste une agression sexuelle. Et aujourd'hui, comme on voit en Martinique, il y a Balance ton porc. Vous avez entendu parler de ça? Complètement. Voilà, mais vraiment, on dénonce, c'est ça. On va dénoncer toutes ces personnes-là qui ont un certain charisme, ou entre guillemets, un certain pouvoir. Pouvoir. Parce que soit ils sont patrons d'une grande direction, soit ils ont une situation assez importante, j'ai envie de dire professionnelle, qu'ils vont se permettre de dire je vais embaucher telle et telle personne pour son physique. Ou telle est voilà. Et en plus, il y a des discriminations qui sont faites en plus de ça. Mais on a ce hashtag balance ton porc comme on a dans le hashtag MeToo. On a balance ton porc, regarde, il y a eu ça, il y a eu ça. Et généralement, on se rend compte dans ce cadre-là que toutes les femmes, en fait, que plusieurs femmes sont victimes d'une même personne. Du même bourreau, c'est fou. Du même bourreau parce que lui, il fait la même chose. Alors pareil, encore une fois, on ne peut pas dénoncer tout et n'importe quoi. Ouais. On va dénoncer... C'est sûr qu'auparavant, quand il y avait une personne qui mettait la main aux fesses d'une secrétaire ou autre, on n'allait pas faire des esclandres. Oui. La société, elle a changé. Oui, c'est sûr. À tort ou à raison, je ne sais pas.
Je ne suis pas là pour le dire. Maintenant, il faut faire la différence entre une vraie agression sexuelle, à mon sens, qu'une maladresse d'un homme qui ne sait pas prendre les devants avec une femme. On est d'accord ? On est d'accord, complètement, complètement. Quoi qu'il en soit, face à la loi pénale, ça reste une agression. D'accord. Donc, elle sera punie différemment parce qu'il faut contextualiser. Oui. Aujourd'hui, on contextualise tout. Oui, aujourd'hui, la parole, elle est trop libre. Elle est libre, la parole. Mais un petit peu trop, maître. Un peu trop, parce que moi, ce que je vois aussi, c'est que dans Balance ton porc ou dans Autre, on voit... il faut aussi faire la part des choses. Mm. C'est-à-dire qu'on va dénoncer quand même des faits. Il ne faut pas que ce soit des faits calomnieux ou dire « Ah ben non, il ne m'a pas fait ça » ou « Je me suis vraiment... j'ai une histoire personnelle avec la personne, mais je vais quand même le balancer. Ouais, » ouais. Donc, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant pour ça. Ça aussi, je le dis. Maintenant, généralement, si les femmes, elles dénoncent la même personne, c'est qu'il y a des grosses questions à se poser. Et... je me permets de rebondir sur ça, oui, parce que j'ai envie d'en parler, oui, aujourd'hui. Oui, je vous en prie. Parce qu'on a vu, on voit les violences faites aux femmes, et c'est très important qu'il y a des associations, il y a des groupes de femmes qui s'expriment, qui parlent, qui vont dénoncer. Et en revanche, là, il y a eu ce qui s'est passé, en tout cas, s'il faut le dire à la télé, ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. 2023, donc le 7 octobre dernier, les terroristes, vous avez vu, ont massacré un certain nombre de personnes, et ce certain nombre de personnes, ce sont des femmes. Ok. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ces femmes ? Tout. C'est-à-dire qu'ils les ont éventrées, ils les ont violées, ils les ont filmées en train de les violer, etc. etc. Et là, aujourd'hui, vous voyez dans tous les journaux, ça se passe dans Le Monde ou dans Marie-Claire, peu importe, tout le monde dénonce en fait ces faits-là. Oui. Parce que ce sont des violences qui ont été faites aux femmes. Okay. En plus du terrorisme. Mais donc c'est très important de comprendre que on peut aller du bourreau dans un couple à l'employeur ou même au terroriste. Aujourd'hui, les femmes, elles sont ciblées. Elles sont ciblées. Là, c'était les cibles. Aujourd'hui, voilà, c'était les cibles. C'est ça. Ce sont les premières. C'était les cibles. Les proies faciles. Les proies faciles, on les cible et puis on les viole et puis on les touche, etc. Et c'est affreux d'en parler parce que. Mais il faut en parler. Il faut aujourd'hui dénoncer, il faut en parler. Ok. Parce que c'est trop grave. Ok. Alors, quelles sont les mesures de protection qu'il existe? Parce qu'on parlait tout à l'heure de la secrétaire qui a mis sa petite jupe, qui se fait toucher, etc. Bon, ça arrive, elle va déposer plainte ou elle va le s'initier. Mais est-ce qu'il y a des mesures de protection pour cette dame? Parce qu'il faudra bien qu'elle retourne à son travail après avoir mis ça sur le balance ton port, par exemple. Si elle n'a pas d'autre emploi, il faut qu'elle y retourne. Alors, quelles sont les mesures de protection? Est-ce que ça existe pour ces femmes-là? Alors, généralement, après, c'est vraiment du droit du travail. Oui. Donc là, je laisserai Maître Appiou en faire développer sur ce sujet. Oui. Comme je crois que il y a deux semaines, hein, elle avait parlé de la prise d'acte de rupture pour éviter. Parce que la femme, la personne victime de violence dans son cadre de travail, elle aura du mal. Soit du mal à récupérer son poste, soit finalement pas envie du tout de récupérer son poste. C'est plutôt ça. Enfin, moi, je me mets à sa place, j'ai pas envie de retourner travailler, mais non plus, j'ai pas envie d'être lésée financièrement. Donc, je fais quoi? Eh bien, je prends acte de ma rupture, comme elle avait expliqué Maître Appiou. Je prends acte de ma rupture et je demande mes indemnités de licenciement pour éviter que mon employeur me licencie avant sur des motifs qui ne sont absolument pas légitimes. Ok. Voilà. Eh ben. Non, c'est compliqué. Hein. Très bien. Et maître, on va parler du harcèlement au travail, parce que les femmes sont aussi victimes de harcèlement au travail. Maître, comment on dénonce ça? Qu'est-ce qu'il faut comme preuve? Est-ce qu'il faut des témoins? Est-ce que moi, je peux aller à mon travail et dire, bon, ben voilà, je suis victime de harcèlement, mon patron, je n'en peux plus, etc. Qu'est-ce qui me sera demandé? Qu'est-ce que je devrais prouver? Qu'est-ce qu'il faut, en fait? À quel moment je suis crue? Parce que là, on parle d'harcèlement sexuel. On reste dans la sphère sexuelle. Hein. Ou même mon patron, il passe son temps à me dire que je suis nulle. Qui comprend toujours pas pourquoi il m'a embauché. Ça va faire sourire. Ça va faire sourire plus d'eau. Mais que tu as un bac moins 18. Oh là là, mais c'est sûr. On peut l'entendre. Oui, mais on l'a entendu. Donc, maître,
Et ben en fait, voilà, c'est cette répétition, en tout cas, de faits, oui, qui vont pouvoir caractériser le harcèlement au travail, d'accord. Et pour être cru, je pense qu'il faut vraiment prouver tout ça. C'est-à-dire, effectivement, parler aux autres collègues, mais l'écrire. J'écris. Vous m'avez dit ça, je réponds. Parce que le harcèlement, c'est sous couvert d'une mission de travail. Hein. Mmh. Généralement, c'est je t'envoie un mail, mais c'est du harcèlement. Mmh. Fait que le salarié subit du harcèlement. Oui. En tout cas, la salariée va subir du harcèlement. Oui. Et il faut vraiment que cette personne-là réponde. Okay. Vous m'avez dit ça, vous m'avez redit ça, vous m'avez redit ça. Et il faut prouver. Plus c'est répété, plus le harcèlement va être caractérisé. Ok. Voilà comment on va pouvoir le dénoncer, en tout cas. Très bien. Alors, maître, nous avons vu le harcèlement dans le cadre de la cellule familiale, le harcèlement à l'école. Parlons du harcèlement sur les réseaux, si vous le voulez bien. À quel moment je peux dire que je me sens, ou alors les agressions sur les réseaux, à quel moment je peux dire que je me suis fait agresser sur les réseaux? À quel moment Oui, parce que je pense que aujourd'hui, la parole, elle est devenue tellement libre. Les gens, ils sont tellement rentrés dans leur susceptibilité, c'est mon point de vue, hein, d'accord, que la susceptibilité est vraiment à géométrie variable. Mais vraiment, ce qui, un ta gueule, qui n'est pas une chose sympathique, hein, mais qui n'est pas non plus la chose la plus horrible, peut devenir vraiment l'objet d'un drame. Chez certains. Chez certains. Mais oui, bien alors sûr. Alors que d'autres trouveraient ça banal. Donc, à quel moment est-ce qu'il y a, la loi prévoit un cadre dans lequel on peut dire, bon, ben, quand vous faites ça, c'est du harcèlement sur les réseaux. Dites-moi. Ben, je pense que avant tout, quand la personne, elle, se sent déjà harcelée, ouais, si elle se sent harcelée, donc c'est son point de vue, encore une fois, ça, ouais, reste subjectif. Oui. Mais ensuite, pour que ce soit objectif, il faut qu'elle le dénonce. Mm-hmm. Elle dénonce les écrits qu'elle reçoit. Mm-hmm. Et généralement, elle en reçoit plusieurs. Mm-hmm. Donc, on voit, on va parler d'une influenceuse sur Instagram. Oui. D'une influenceuse sur Instagram qui est bien dans sa peau, oui, bien dans ses baskets, oui, et qui va poster des photos d'elle habillée, dénudée, avec des recettes de cuisine et, ouais, autres. Elle va recevoir des critiques. Parce que tout le monde n'est pas bienveillant, malheureusement. Oui. Tous ne sont pas bienveillants. Mais pour autant, est-ce qu'elle va dénoncer? Je ne pense pas. C'est, en revanche, si une personne s'acharne, mm-hmm, contre elle, là, elle pourra dénoncer en disant « Mais regardez, il me met tous les jours, etc. Ça, ça, ça. » Maintenant, sous couvert de quoi? Est-ce que l'identité de la personne, elle peut être dévoilée facilement? Parce que généralement, hein, c'est des pseudos. Des, hein, pseudos, ouais, ouais, et, ouais. Et puis, c'est facile, hein, pour un pervers ou un pédophile, un violeur ou que sais-je, de se cacher derrière un écran et de dire tout et n'importe quoi à la personne. Mais il faut savoir quand même que ces personnes-là, généralement, ils sont soit fichés, soit on peut les retrouver rapidement avec l'adresse. Et qu'est-ce qu'elles encourent, ces personnes-là, justement? Eh ben, elles encourent pareil, hein, elles encourent une peine d'emprisonnement, elles encourent d'être placées directement en garde à vue, d'être convoquées. Mais pour ça, il faut dénoncer de manière, j'ai envie de dire, définitive. Il ne faut pas le dénoncer une fois, il faut être présent au service de police ou sinon dire, ben moi, y a la plainte, elle est passée sous une pile de dossiers. Moi, je vais faire directement une citation directe. Ça, c'est une autre manière de dire, monsieur le juge, je vais à l'encontre, enfin, de la poursuite, vous ne poursuivez pas pour l'instant, le procureur ne poursuit pas la personne. Okay. On appelle ça une citation directe devant le tribunal devant le tribunal correctionnel, mm-hmm, pour dire, cette personne, je veux qu'elle soit condamnée et qu'elle soit entendue pour les faits de violence que je subis ou des faits de harcèlement que je subis. Et on passe d'un autre sujet à un autre, mais aujourd'hui, les premières victimes de ces violences, hein, ça va être aujourd'hui des mineurs. C'est ça. C'est souvent les mineurs. Et pourquoi aujourd'hui on parle de plus en plus de ça de partout? C'est parce qu'il y a un harcèlement scolaire qui est trop important. Et pareil,
là, on le voit, il y a des mineurs, bah, malheureusement, qui mettent fin à leur jour. Oui, mais justement... Parce qu'ils subissent des violences et qu'ils ne l'ont pas dénoncé. Parce qu'ils ont peur, ils sont meurtris. Ils sont chez eux et ils sont victimes de violences et à l'école. Et on appelle ça un harcèlement scolaire. Et derrière des réseaux, en disant, bah, tous les jours, il y a des petits jeunes qui leur envoient des messages, étaient mal coiffés, etc., etc. Combien de fois, voilà, j'ai été aussi amenée à assister... En ce moment, on a dimanche, on a eu, d'ailleurs ça fait la une de l'actualité, hein, début de semaine, cette jeune fille qui était victime de harcèlement scolaire depuis la sixième, elle est en troisième. Et puis elle a craqué, elle a fait un live qui a été vu plus de 300 000 fois, quoi. En moins d'un week-end. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, qu'elle n'en pouvait plus, quoi. Il fallait venir à son secours, parce que c'est vraiment la dernière chose qu'il lui reste à faire, c'est ce cri-là. C'est triste. Et qui a réagi, du coup? Bah, écoutez, tout le monde a réagi. Mais vraiment, tout le monde a réagi, notamment... la ville, l'établissement scolaire, parce que c'est important qu'on en parle, parce que l'établissement scolaire faisait savoir qu'ils auraient bien voulu réagir, mais la petite victime, elle ne voulait pas donner de nom. Donc c'est pas normal, l'établissement scolaire là, il est en faute pour moi. Hein. L'équipe pédagogique, c'est pas normal. C'est pas normal. On voit souvent ceux ou celles victimes de harcèlement scolaire, ça va être les personnes qui sont soit imposantes physiquement, soit le petit intello de la classe, soit la fille qui n'arrive pas à habiller de la même manière que tous. Je suis désolée, les profs s'aperçoivent qu'une élève, elle est mise de côté par les autres élèves. Ouais. C'est avant tout à eux, adultes. Sans parler d'être prof, on est adulte, on voit, et humain, on voit qu'une personne est mise de côté, on réagit. On réagit, on essaye d'harmoniser tout ça, de laisser la parole aux enfants, limite d'interrompre un cours pour dire, regardez, qu'est-ce qui se passe? De parler à l'enfant, de le prendre à part, et surtout, de convoquer les parents. Parce que si un enfant n'est pas bien dans un établissement, elle sera peut-être mieux dans un autre établissement. Moi, je suis sûre que parfois, c'est l'établissement, il faut changer d'établissement et elle se retrouvera avec d'autres camarades. Encore faut-il délivrer la parole? Alors oui, mais la parole, c'est comme celle des femmes. C'est aussi celle des mineurs. C'est très, très difficile. C'est très difficile de faire parler un enfant. Mais ce qui est difficile, et en même temps, paradoxalement, aujourd'hui, comme on a les réseaux, c'est libre, etc. Oui. On peut s'apercevoir qu'elle est victime rapidement de violences, notamment en fouillant son portable ou en disant, regardez... Est-ce que les parents font ça? Les parents sont devenus... Et c'est pour ça que les parents aussi, vous, chers parents qui nous regardez, je vous invite aussi à discuter avec vos enfants en sortie des classes, en leur demandant si tout va bien, parce qu'au début, l'enfant va dire « Oui, ça va, maman, tout va bien, je vais faire mes devoirs, etc. » Mais contrôler les réseaux. Ne pas accéder, ils ne peuvent pas être accessibles au réseau, ils ne devraient pas, en fait, avoir même un téléphone portable. Ou alors, s'ils ont un téléphone portable pour joindre maman ou papa, avoir 3-4 numéros sur le téléphone et avoir un blocage avec un contrôle parental sur ce que l'enfant reçoit. Oui. Vous imaginez toutes les informations qu'on reçoit par jour? Les images choquantes que un enfant peut voir? Et j'avoue. Donc, il y a ça, et en même temps, c'est pas le rôle. Le parent, parfois, il est un peu... Il ne comprend pas, parce que lui aussi est aveuglé par cette situation. Et puis très souvent dépassé, hein, les parents, ils n'ont pas la même distance. J'ai l'impression que ça a été tellement vite que les parents sont largués, en fait. J'ai ce sentiment-là. Ouais, je pense. Je pense que les parents ils sont dépassés, parce que tout va très vite. Et qu'est-ce qui va trop vite aujourd'hui? C'est cette communication. Cette communication, comme on a parlé de la parole qui est libérée, mais en même temps, elle est tellement libérée qu'elle peut soit choquer, heurter, affaiblir certains, mais en même temps, on peut dire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas...
Il n'y a pas de cadre, en fait. Oui. Aujourd'hui, on ne cadre plus rien. Oui. Et on ne peut même pas, on peut même pas intervenir sur une information, comme on voit qu'il y a une information, il y a une désinformation. Donc aujourd'hui, il y a un déferlement de haine. Moi, je le redis, je parlais des événements qui se passent, même pour les femmes, il y a un déferlement de haine sur les réseaux qui dépasse l'entendement. Oui. Parce qu'une femme, elle va dire hashtag balance ton porc, lui, il m'a fait ça. Elle va se recevoir derrière des centaines de messages pour dire mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu dis ça, et puis là elle va se faire insulter. C'est sûr. Que faire? Se couper du monde? Se préserver des réseaux, je pense. Je pense. Je pense qu'aujourd'hui on devrait tous et toutes se poser les questions sur finalement la réalité de cette communication qui, même si on a l'impression qu'on communique vite et on peut savoir plein de choses rapidement, la communication n'est plus là, elle n'existe plus, malheureusement, comme moi je l'ai vu quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, comme je pouvais parler directement à mes parents facilement autour d'une table. Oui. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Non. Et malheureusement, c'est à cause de tous ces réseaux-là qui nous font dire que il y a une absence de communication. Très bien. Maître, revenons avec les établissements scolaires. J'ai envie de vous demander, que ce soit un établissement scolaire, que ce soit un établissement professionnel, est-ce qu'il y a des droits de protection dans ces enceintes-là? Des droits de protection? Je m'exprime. Dites-moi. Et ma question est la suivante. Est-ce que je peux porter plainte contre un établissement, vous donnez ça bien, est-ce que je peux porter plainte contre un établissement qui ne me protège pas lorsque je suis à l'intérieur? C'est-à-dire la gamine, elle se fait harceler, elle estime que l'établissement, il n'a rien fait. Est-ce que je peux porter plainte, me retourner contre cet établissement? Je suis à mon travail, j'ai déjà dit plusieurs fois à mon patron que mon collègue, j'en peux plus, ou ma collègue, j'en peux plus. Il bouge pas, est-ce que je peux porter plainte contre ces gens? Alors je dirais porter plainte contre l'établissement, faire une plainte directement au recteur de l'académie ou l'éducation nationale, évidemment. Mm-hmm. Ça c'est une info à remonter. Et à la police, non? Si, évidemment. Ah. En disant, à la police. Alors est-ce que c'est pareil, ça va être, il faut quand même qu'on caractérise l'infraction, quelle serait l'infraction en fait? Qui serait caractérisée dans ce cadre-là. Prenons le cas de la gamine, ça fait 3 ans. Eh bien, pareil, moi, je pense que c'est non-assistance à personne en danger. 3 ans, moi, je pense sais que pas. C'est... L'école, c'est quand même le lieu... Ça reste, sur ce pénal-là, je pense que c'est cette infraction-là qui serait la plus adaptée. Sinon, on reste quand même sur des obligations d'ordre civil, des responsabilités qui sont punies également par la loi. Mais là, on n'est pas dans le volet pénal, on est plus volet civil. D'accord. Dans 10 ans, plutôt administratif en soi, puisque ça reste des établissements publics. Oui. D'accord. Donc, c'est l'État qui gère ces établissements. Et donc, on reste sur des recours strictement administratifs. Oui. D'accord. Maintenant, s'il y a qui dit harcèlement, qui dit infraction, dit auteur-victime, et on peut trouver effectivement aussi une infraction. Mais on reste là dans le cadre d'un établissement scolaire, à mon sens, face à un recours administratif. D'accord ? Donc, j'en fais part à l'administration. Je dénonce les faits à l'administration. Je dénonce les faits donc directement au plus haut point, donc au recteur, à l'académie, qui, eux, embauchent les fonctionnaires, parce que les profs, les professeurs, ce sont des fonctionnaires avant tout. Oui, ce sont des personnes qui rendent un service public, qui travaillent pour l'État. Et c'est à eux de répondre des fautes commises par leurs préposés, leurs fonctionnaires, tout simplement. En disant, regardez, cet établissement est complètement défaillant, ce proviseur est défaillant. Il faut mettre un terme à son contrat de travail et en plus qu'il réponde de ces fautes-là. Eh bien, vous voyez, la maman de Mohamed, t'as vu? Moi, j'aurais fait ça. En tout cas, j'aurais mon enfant dans un établissement. Je vois que la proviseure, pas regardante ou allemande, elle ne m'a pas dénoncé ces faits-là. Et finalement, je ne vais pas me gêner pour en faire part à l'académie. Hein. Non, mais vraiment, je vous le dis. Et ça, c'est pareil à mon travail? Voilà, et à votre travail, pareil, ça va être... ça dépend, si on est dans une sphère, encore une fois, je le redis, si on est dans une sphère privée ou une sphère publique, à qui on va dénoncer? Est-ce que c'est... on est fonctionnaire et on dénonce, comme je vous dis, à un organisme étatique? Ou alors c'est du privé? Dans ce cas-là, je vais saisir le conseil de prud'homme
parce qu'on est face à du harcèlement au travail et ça va être régi par le droit pénal du travail. Et potentiellement, le Conseil des prud'hommes sera compétent pour juger. Très bien. Maître, je vais vous poser une dernière question. Moi, j'ai envie de vous poser en synthèse, pour toutes les femmes qui nous regardent, à quel moment on définit que l'on est victime d'une violence en tant que femme ? À quel moment on définit qu'on est victime de violence en tant que femme ? Au moment, je pense, hein, c'est très subjectif là aussi, on est victime de violence quand on est mal, on devient, on a des sauts d'humeur, on a des signes de dépression. Ouais. Des signes de dépression, c'est quoi ? C'est je me sens fatiguée, je me sens lassée par la vie, j'ai qu'une envie, c'est de dormir, je me sens bien qu'au lit. D'accord ? J'ai perdu ma joie de vivre, j'ai perdu l'envie d'aller faire des courses. Tout ce que je fais me paraît être une montagne. C'est généralement ça, quand on entend le discours d'une femme malheureusement victime de violence, elle va plus être en capacité de dire « je suis capable de le faire ». Elle va être à l'impression d'avoir, pour choisir un yaourt au chocolat et un yaourt nature, que c'est le choix d'une vie, que c'est dur, que tout devient difficile. Tout. Donc là, vraiment, on a les signes d'une dépression. Et ça, c'est avant tout les signes précurseurs de dire non seulement je suis dans une dépression nerveuse, mais en plus de ça, c'est que il y a quelque chose qui fait en sorte que j'ai perdu confiance en moi, qui fait en sorte que j'ai perdu l'envie, malheureusement, de vivre, l'envie de rire, de cette joie-là de vivre, je ne l'ai plus. Donc voilà. C'est un peu, à mon sens, c'est les premiers facteurs de dire « ah, j'étais pas comme ça il y a l'année dernière quand j'étais avec ma copine. Ça fait 6 mois que je suis en couple, mais je me reconnais pas. Ok ? C'est un peu ça. Ok, alors maître, c'est vous qui allez terminer votre appel pour toutes les femmes en tant qu'avocate, parce que vous en voyez probablement beaucoup. Voilà. Alors voilà, bonjour à la gente féminine aussi, évidemment. Donc si vous êtes victime d'une violence quelconque, j'entends, c'est-à-dire physique, verbale, que cette violence soit perpétrée dans le cadre d'une sphère privée, dans le cadre d'une sphère très intime qui est votre domicile, ou alors au travail, n'hésitez pas à dénoncer ces faits, n'hésitez pas à contacter mon cabinet au 06 96 02 11 81. Je me ferai un plaisir de vous recevoir mon cabinet et évidemment de discuter avec vous pour vous orienter sur la meilleure procédure à diligenter, évidemment pour vous protéger et pour changer de vie de manière irrémédiable. Merci maître, merci pour ce beau message. En tous les cas, vous mesdames, si vous êtes victimes de quelles que soient les violences, on dit mesdames parce qu'on est là dans la semaine des droits de la femme, hein. Téléspectateurs, on est bien conscient qu'il y a aussi des hommes qui sont très victimes de violences de la part des femmes. Vraiment, croyez que nous en sommes conscientes et nous prenons la chose très au sérieux. Mais cette semaine, nous sommes dans la semaine de la 24e campagne de lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes. C'est tout naturellement que nous nous adressons aux femmes, mais nous savons très bien que les hommes sont aussi victimes de violence. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci, maître, de nous avoir accompagnés cet après-midi encore dans cette émission. On rappelle que votre cabinet se trouve à 30 rue Moreau de Jones à Fort-de-France et que si jamais vous voulez rentrer en contact avec maître Habitbull, le numéro de téléphone, on le redonne, maître. 06 96 02 11 81. Vous verrez le numéro s'affiche sur cette petite banderole bleue que vous trouvez en bas de votre écran. Très bien. Merci. Merci.
Et merci Sarah. Merci à vous, maître. C'est encore un plaisir de partager ces discussions intéressantes. Toujours, toujours, vraiment. Et j'espère que vous, chez vous, vous vous retrouvez nourris tous les jeudis grâce à cette émission. Merci encore. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est Jean-Michel Césaire qui a assuré la technique aujourd'hui. On vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. Et à la semaine prochaine. Merci, maître, d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Au revoir.